Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons faire des mathématiques. Les mathématiques c'est pour apprendre à compter. Nous allons jouer à un jeu que tu as déjà fait en classe si tu es en grande section, ça s'appelle le jeu de l'escargot. Mais attention, cette vidéo il n'y a pas que les grandes sections qui vont le faire, les moyennes sections aussi peuvent le faire. Mais les moyennes sections, vous n'allez pas regarder la vidéo jusqu'au bout. Quand je vais vous dire que c'est fini, parce qu'on commence le travail pour les grands, vous arrêtez la vidéo, d'accord? Tu demandes à papa ou à maman d'appuyer sur pause pour arrêter la vidéo. Ne regarde pas la vidéo jusqu'au bout si tu es en moyenne section, parce que c'est trop difficile. Je t'explique le but du jeu. Il y a plusieurs cartes qui sont alignées et qui font un long trait. On les compte ensemble? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 cartes. Ouh là là, ça fait beaucoup. En plus de toutes ces cartes, il y a un rond bleu, un rond rouge. Si on veut rendre ça plus difficile, le rond bleu est à gauche, le rond rouge est à droite. Il y a un escargot. Je vais cacher l'escargot quelque part et je vais te dire, par exemple, l'escargot est sous la quatrième carte à partir du rond bleu. Donc, l'escargot est sous la carte 4. Donc, tu dois compter jusqu'à 4. Mais attention, ne te trompe pas. Compter jusqu'à 4 à partir du rond bleu, donc à partir d'ici. Tu es prêt? On commence. C'est écrit moyenne section, mais les grandes sections regardent aussi cette vidéo. D'accord? C'est parti. J'ai caché l'escargot sous la quatrième carte à partir du rond bleu. Donc, sous la carte 4. On compte. Il est où le rond bleu? Il est ici. On compte jusqu'à 4. Utilise ton doigt et pose-le sur l'écran pour compter. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu penses que j'ai bien compté? On regarde si l'escargot est sous cette carte. Oui, regarde, l'escargot est là. Il était bien sous la quatrième carte. Bravo. J'ai caché l'escargot sous la carte 4 à partir du rond rouge. Le rond rouge est là. On compte. 1, 2, 3, 4. On vérifie. Bravo, on a réussi. Tu as vu, ce n'est pas pareil. Il faut bien écouter si c'est à partir du rond bleu ou à partir du rond rouge. On continue. J'ai caché l'escargot sous la sixième carte, sous la carte 6, à partir du rond bleu. Rond bleu, on compte jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vérifie. Bravo, on a trouvé l'escargot, super. Allez, on continue, les moyennes sections et les grandes sections avec moi. J'ai caché l'escargot sous la carte 10 à partir du rond rouge. Le rond rouge est là, on compte jusqu'à 10, utilise ton doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bravo. On vérifie? Oui, l'escargot est là, bravo, on a réussi. C'était sous la dixième carte. Ça y est, j'ai écrit grande section. Si tu es en moyenne section, c'est fini pour toi. Mets la vidéo sur pause et ne regarde plus parce que c'est trop difficile. Mais les grandes sections, vous restez avec moi. On continue. J'ai caché l'escargot sous la carte 15 à partir du rond rouge. On compte jusqu'à 15, c'est parti. On essaye d'aller vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Est-ce qu'on a réussi? Bravo, l'escargot était bien sous cette carte. On continue. J'ai caché l'escargot sous la deuxième carte à partir du rond bleu. Oh, mais maîtresse, c'est trop facile. On vérifie. 1, 2... Oui, il est là l'escargot. Je t'entends qui rigole et qui dit que c'est trop facile. Tu vas comprendre pourquoi. On continue. J'ai caché l'escargot sous la carte
14 à partir du rond rouge. Allez, c'est parti. Le rond rouge, il est ici. On compte jusqu'à 14 très rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, est-ce qu'on a réussi? Bravo, l'escargot est bien là. Tu as vu? 2 à partir du rond bleu, c'est pareil que 14 à partir du rond rouge. Donc il faut bien écouter et faire attention au sens. J'ai caché l'escargot sous la 11e carte à partir du rond bleu. Ça veut dire quoi, 11e? Qu'est-ce qu'on entend dans 11e? On entend 11. À partir du rond bleu, c'est parti, on compte. Alors attends, je ne vois plus ma souris. Ça y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 11e carte, on vérifie. Bravo, l'escargot est là. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'on est fort! Allez, une dernière fois, une dernière partie. J'ai caché l'escargot sous la 13e carte à partir du rond rouge. Qu'est-ce que ça veut dire 13e? Qu'est-ce qu'on entend dans 13e? On entend 13. Donc on va compter jusqu'à 13. À partir de quel rond? Est-ce que tu as bien écouté? À partir du rond rouge. Bravo. C'est parti, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Est-ce qu'on a réussi? Bravo, on a tout réussi. Super, bravo les grands. Vous avez tenu jusqu'à là, c'est super. Voilà, la vidéo est terminée. On a pu jouer au jeu de l'escargot ensemble, même si on n'est pas à l'école. C'est super ça, on peut continuer. Je te dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.